Eh bien bonjour à tous et bonjour à toutes, bienvenue sur coderevision.fr, la web TV autour du Coderesi. Eh bien nous sommes ici à Oniros où on va voir le défilé. C'est parti. Bonjour, aujourd'hui nous avons un petit défilé dans la boutique l'Uniros à Caudry, située 11 rue Jacquard. Donc nous sommes accompagnés par la comité Miss Belle en Forme qui est gérée par la deuxième dauphine France, Céline. Donc, je vous laisse voir le petit défilé porté par les mannequins. Nous vous attendons nombreux par la suite via les vêtements portés. Je vous invite à voir avec nous en détail les robes portées du coup. À bientôt. On se rejoint après, juste après le défilé, pour parler plus en détail. Donc je vous laisse voir par la suite. Ouais. Donc voici Céline en robe verte décontractée, disponible de taille L à XL. XXL, pardon, avec le petit sac à main blanc. Nous avons ici Natacha avec la robe fleurie, disponible en grande taille, sac jaune. Et Jennifer en robe noire fleurie, sac à main beige. Alors, nous avons Gwendoline en robe verte. Avec un petit sac à main dorée et couleur beige, disponible en plusieurs coloris. Alors, nous avons Céline et Cathy et Valérie, tous les deux en robe verte et un petit sac à main blanc et jaune, disponible en plusieurs tailles. Donc nous avons Océane avec une robe bleue fleurie également pour l'été, disponible jusqu'en taille ML, avec un petit sac blanc et disponible également en plusieurs coloris. Alors nous avons Sophie et Natacha. Donc Sophie en robe rouge. Robe rouge fleurie disponible en grande taille avec nos petites sacs à bain pour l'été. Également les chaussures beiges portées par Natacha. Donc ici nous avons Liliane qui porte une combinaison verte avec un t-shirt blanc avec les épaules larges. Et les chaussures vertes, également le sac à main, disponible en plusieurs coloris également. Donc nous avons Océane et Cathy. Donc Océane en robe rose, disponible en petite taille et grande taille. Et les chaussures également en rose, beige et noir. Donc nous avons Océane avec une chemise rose, sac à main noir, pantalon gris. Disponible en plusieurs tailles. Donc ici nous avons Jennifer et Alexis. Jennifer qui porte une robe noire disponible en petite taille et grande taille. Également les chaussures disponibles en beige et noir.
Alors, nous avons Gwendoline qui arrive avec l'ensemble vert, idéal pour l'été, avec un petit sac accompagné, en rose et disponible en beige. Donc ici, nous avons Valérie et Teddy qui arrivent. Valérie avec une robe de soirée, en couleur vert. Disponible en plusieurs tailles également et en plusieurs coloris. Donc ici, nous avons Sophie et David. Nous avons Sophie et Alexis. Robe velours bleu disponible en plusieurs coloris. Nous avons David et Océane. Donc Océane avec un débardeur vert. Disponible en trois couleurs différentes. Et le jean gris disponible en plusieurs tailles. Alors. Ici, nous avons Céline et David. Alexis, donc Céline en débardeur blanc et pantalon vert d'eau. Disponible en plusieurs coloris également. Alors ici nous avons Océane en salopette couleur beige et t-shirt blanc. Disponible en plusieurs couleurs. Également le sac disponible en trois couleurs différentes. Ici. Alors, Miss Nord-Pas-de-Calais, en robe de soirée bleue, pailletée, disponible en couleur blanc et bleu du coup, et les chaussures blancs. S'il te plaît, la Miss, s'il te plaît, peux-tu revenir, s'il te plaît, faire un tour, on t'a pas bien vu. Donc ici nous avons Cathy en robe jaune fleurie, disponible en grande taille, et les chaussures noires. Alors ici nous avons Liliane en robe de soirée également, de couleur lilas pailleté. Disponible que jusqu'au taille XL. Alors nous avons Jennifer qui arrive avec une robe noire, disponible de taille L à double XL. Également le sac à main et les chaussures disponibles en plusieurs coloris. Gwendoline qui arrive en robe noire pailletée,
qui est disponible en couleur beige également, jusqu'à taille 50. Alors, nous avons Valérie qui arrive avec la robe rouge, qui est disponible jusqu'à taille 60. Donc, je rappelle, disponible jusqu'à taille 60. Donc, nous avons Cathy qui arrive avec la robe noire qui était portée tout à l'heure en couleur beige. Disponible jusqu'à taille 50. Donc, nous avons Océane qui arrive avec une robe velours vert. Disponible jusqu'en taille XL. Et plusieurs coloris également. Alors, Sophie qui arrive en robe bordeaux, qui est disponible en plusieurs coloris également. Donc, nous avons noir argenté et noir doré, disponible jusqu'à taille 60. Donc, nous avons Océane qui arrive avec une robe rouge velours, disponible jusqu'à taille 50. Également accompagné par un sac à main avec des détails dorés. Donc, nous avons Natacha qui arrive avec une robe noire velours, détail ceinture, disponible jusqu'en taille 50. Également les escarpins avec des détails de diamants. Et le sac à main disponible en plusieurs coloris. Donc nous avons Liliane qui arrive avec une robe fleurie rouge et un sac à main orange. Disponible en plusieurs coloris. Donc nous avons Céline. Et qui, du coup, elle est... David. Ah d'accord. Nous avons Céline et David. Céline, deuxième dauphine Deuxième dauphine France. En robe pailletée blanc. Disponible jusqu'en taille 50. Donc, nous avons Cathy et Alexis qui arrivent. Cathy en robe de soirée vert, avec des détails sur les manches, disponible jusqu'en taille 50. Donc nous avons Océane qui arrive aussi également en robe vert, mais celle-ci est disponible jusqu'en taille 42.
Nous avons David et Valérie qui arrivent en robe dorée et un sac à main couleur camel, tabac. Disponible jusqu'au taille 50. Donc nous avons Alexis. David. David. Non, Alexis. Nous avons Jennifer qui porte une robe noire avec des détails bronze et un sac à main détail perlé et les escarpins en noir et disponible en beige. Alors nous avons Gwendoline qui arrive en robe blanc avec les manches en tulle. Disponible jusque taille XL. Donc également deuxième dauphine à Flandre. Donc nous avons Océane qui arrive avec David. Océane en robe velours noir et les manches bouffantes. Disponible jusque taille 60. Nous avons Alexis et Natacha. Donc Natacha en robe blanche avec les manches en dentelle et tulle. Disponible jusque taille 50 également. Donc nous avons Liliane qui arrive en robe velours rouge et les escarpins bordeaux et un sac à main. Disponible en plusieurs coloris. La robe est disponible que jusque taille XL. Donc nous avons David et Sophie. Sophie avec une robe blanche pailletée. Disponible jusque taille 50. Donc, nous avons Céline, David et Alexis en robe dorée, en robe bordeaux, disponible jusque taille 50. Donc nous avons tous les mannequins qui arrivent, bien sûr. Merci à eux. C'est magnifique. Merci encore une fois, c'était génial. À refaire. On vous remercie. À très bientôt.
Alors, votre magasin est conçu et réalisé avec des grandes tailles. Maintenant, pourquoi avez-vous organisé cet événement ici à Caudry? Nous avons voulu organiser cet événement pour faire un peu du changement et présenter aussi la Miss Belle en Forme également avec nos grandes tailles. Donc ça nous a permis aussi de présenter notre magasin en même temps. Donc porter c'est différent que sur les cintres bien sûr. Donc ça nous a permis de présenter les vêtements et mettre en valeur on va dire ce qu'il fallait. Votre magasin est ouvert depuis quand et à quel endroit justement on peut vous retrouver? Alors il est ouvert depuis 8 mars je crois. Et on se retrouve auprès de l'Ouragan, 11 rue Jacquard à Caudry, à l'ancien Cooksy Market ou ancien Euromode. Du coup bah, on vous attend nombreux parce qu'il y en a ils viennent, ils disent ouais on savait pas que vous étiez là, que vous étiez ouvert, on savait pas le magasin. Mais ça fait au moins 3 mois qu'on est ouvert donc on vous attend nombreux par la suite. Alors nos horaires c'est de 10h de midi à 14h après à 18h30, de mardi à vendredi, non pardon je me suis trompée, de mardi à jeudi et de vendredi à samedi on est ouvert de 10h à midi et de 14h à 19h. Et les lundis on est fermé et les dimanches aussi. S'il manque un vêtement vous pouvez commander, comment ça se passe? Ça dépend les robes bien sûr. Nous aurons la possibilité de réassort bien sûr pourquoi pas, mais bien sûr faudrait voir avec nos fournisseurs. Mais on aura la possibilité. Donc nous avons aussi de la lingerie, également en grande taille. Et maintenant, bien sûr, nous avons une plus grande rayon de grande taille, comme vous pouvez le voir, en robe de soirée, en pré-opportée. On pense agrandir. Donc, et qui sera agrandi, ouais, qui sera agrandi par la suite également. Merci beaucoup. Merci d'avoir. Désolé pour nos erreurs. C'était notre premier défilé. Donc, merci et bonne journée. Merci à Télévision aussi pour nos clients. Ouais, c'est ça. Merci beaucoup. Voilà, merci. Bonne journée. Au revoir. Et bien voilà, vous pouvez voir aussi les Miss. On va essayer d'avoir justement Céline. Céline qui est l'organisatrice et deuxième dauphine de Miss Belle en Forme. Pourquoi avoir défilé ici dans ce magasin? Alors j'ai eu le plaisir de rencontrer les gérantes de ce petit magasin lors du salon du mariage. Elles m'ont donné l'opportunité de défiler pour elles en robe de soirée. Et j'ai trouvé normal de leur faire un petit clin d'œil en organisant ce défilé pour elles. Parce que je pense qu'elles méritent de faire décoller leur magasin et d'être connues. Donc on a décidé de leur donner un petit peu de notre temps, tout simplement. Alors c'est pas un magasin que vêtements, il y a aussi des accessoires, il y a des sacs, il y a des ceintures, il y a vraiment tout. Oui tout à fait, il y a tous les accessoires qui permettent d'être belle tous les jours ou le temps d'une soirée. Alors l'élection, vous avez des candidates, des candidates, ça commence à arriver? Alors actuellement on a 4 nouvelles candidates et un nouveau candidat, donc les candidatures sont ouvertes jusqu'au 1er juillet, donc n'hésitez pas à venir vous inscrire si vous voulez participer à l'élection. Comment on fait pour justement, moi je veux participer, comment on fait? Alors Facebook, Miss Belle en Forme Nord-Pas-de-Calais, vous m'envoyez un petit message et on se contacte. Alors on a vu qu'ici il y avait justement des candidates qui allaient être futures Miss, c'est leur premier défilé? Oui c'est leur premier défilé, elles ont eu une journée très chargée puisque c'était la première fois qu'elles nous rencontraient, c'était leur première réunion et on les a mis dans le bain directement avec un premier défilé. Ils ont eu leur écharpe aujourd'hui alors? Voilà, c'est ça, remise d'écharpe et défilé dans la foulée. On ne peut pas mieux faire. Natacha, élue Miss Belle en Forme? Oui, notre jolie Miss Nord-Pas-de-Calais est là. Donc je vais lui laisser un petit peu la parole. Alors Natacha, ça fait quoi aujourd'hui de défiler pour une première fois en tant qu'élue? C'est un grand honneur pour moi et j'en suis très ravie. Ça fait quoi de porter des vêtements justement d'un magasin? C'est un plaisir et c'est un honneur parce qu'on n'a pas forcément l'occasion de s'habiller comme ça comme tous les jours. Et ce sont de superbes tenues et c'est un magasin que je vous conseille. Les vendeuses sont très très agréables, très à l'écoute. Donc voilà. Votre élection, elle est assez bien passée. Votre avenir, c'est quoi maintenant? Je vais continuer l'aventure et me présenter en tant que Miss Belle en Forme Nord-Pas-de-Calais au concours France qui se présentera au mois d'octobre en Bretagne. Donc vous avez des soutiens du public, il faut? Tout
Tout à fait, oui. Oui, oui. Vous pouvez me suivre sur ma page Facebook, d'ailleurs. Alors, vous êtes parrain, marraine, il y en a qui sont parrains et il y en a qui sont marraines. Vous êtes marraine d'une future candidate D'un futur candidat. Enfin, d'un candidat. Du seul et unique pour le moment. Et j'espère qu'il y en aura d'autres à l'avenir. Vous, à votre élection, ça fait quoi, justement, quand vous avez attendu votre nom? On vous a vu sur Codrévision. Mais aujourd'hui, avec un petit temps d'adaptation, ça fait quoi maintenant, aujourd'hui? J'en suis très fière. J'en suis très fière parce que je ne pensais pas du tout arriver là où j'en suis aujourd'hui. Et je suis fière de représenter ma région en tant que Miss Belle en Forme. L'avenir pour les autres, ce serait quoi? Déjà, le principal, c'est avoir déjà... avoir ses propres objectifs, pardon. Et franchement, aller de l'avant et continuer. Céline, ça vous fait quoi aujourd'hui de voir Natacha comme ça ici aujourd'hui? Je suis très très fière d'elle. Je suis fière de toutes mes candidates et je suis fière de toutes mes écharpées. Elles ont très bien travaillé, elles avaient le sourire, elles ont pris du plaisir et c'est le principal dans l'aventure. Vous aurez un petit mot à dire, ce serait quoi? Inscrivez-vous. Prenez beaucoup de plaisir. Eh bien, merci à tous les deux d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous de nous avoir suivis. C'était en direct sur Codrévision.fr, la web TV autour du Codrézi. Merci à vous tous de nous avoir suivis. À très très vite et à très bientôt sur Codrévision.fr, la web TV autour du Codrézi.